Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je suis à Saint-Louis avec BK. Ça va ou quoi, mon ref? Tranquille et toi? Ouais, bien, vas-y, je te laisse te présenter un petit peu. Bah, moi, c'est BK. Je fais du rap depuis 14 ans. Enfin, 14 ans. Depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Et vas-y, on est là. On fait l'hypothèse, on pense à écrire et on espère, tu connais. Ça fait quoi ça, c'est quoi qui t'a vraiment donné envie de rapper tout de ça? De rapper que... Franchement, la base des bases, t'as vu, on rappelle juste pour rigoler, t'as capté? En mode. Quand je sais pas si t'es déjà passé à la gare là derrière tout à l'heure. Moi j'étais sur le TP là-bas avec un poté, ça s'appelle AD et tout. On a commencé à rapper, le poté il m'a poussé. Après tu connais, j'ai rencontré d'autres personnes dans ma ville. Lui, Talvin, caméraman, Abdoulaye qui est pas là aussi, c'est un caméraman, des beatmakers et tout, des trucs comme ça. Et après ils ont... j'ai vu qu'ils ont cru en moi, ils m'ont poussé, tu connais. Hein. Toi tu fais quel style un peu de son? Moi j'aime bien, voilà je fais de tout. Hein. Voilà je fais de tout, j'aime bien les chansons douces, j'aime bien la drill, j'aime bien la trap, j'aime bien le rap. Tu vois je suis, comment on dit, genre... Je varie, on va dire, t'as capté, je suis pas bloqué sur un truc genre mon style c'est que ça, j'aime bien tout faire, t'as capté. Si demain je dois rapper avec Christian and the Queen, voilà je rappe. Mais façon de parler, t'as capté, genre l'univers en mode que tu vois, il est élargi, tu vois, il est pas bloqué. Puis ça vient d'où le Blaze BK en fait? BK ça vient de mon nom de famille, t'as capté, j'ai pris juste deux lettres de mon nom de famille, c'est tout. C'est ça, puis voilà. Comment... Et à la base quand j'étais petit on m'appelait Boko Celi, Boko, si tu connais plein de dérivations maintenant, BK t'as capté. Et voilà. Là on est à Saint-Louis du coup et je voulais savoir un peu c'est comment ici les structures dans le rap et tout, il y a des trucs à ce qu'il faut. Franchement ici il n'y a pas beaucoup de structures, hein, genre dans le sens où, quand je dis il n'y a pas beaucoup, bon il y a des studios et tout, t'as capté, mais genre ça n'a rien à voir avec, par exemple, c'est pas pour dénigrer ici, hein, mais c'est juste en gros, ici il nous manque des choses pour pouvoir montrer, tu vois justement le Grand Est et tout, parce que moi à la base des bases, j'en ai Paris, ça fait que 4 ans que je suis ici, ça veut dire qu'en gros ici il manque des trucs pour pouvoir exposer les rappeurs qui sont ici, parce qu'il y en a, ils sont pas mal, hein, les bratés et tout, là tu vois, il y en a d'autres encore. Mais voilà quoi. Y'a ton clipper qui est là en plus parmi nous. Lui-même. C'est lui-même en personne. T'as fait lesquels de ces clips toi mon gars? Tous ces clips hein. Tous ces clips ouais. Ouais, tous mes clips, ouais, tous mes clips. Juste un, le premier car moi j'ai tourné ici, c'était Bambax 1. Je sais pas si t'as regardé sur YouTube. Dans la zone, Bébeng, Bébeng. Si tu me trouves dans la zone, pour en faire des grosses sommes. Elle fait trop la mise en vérité, elle est pas bonne. C'était que des suceurs, ils attendent que mon heure sonne. Je pensais perdre mon âme sœur, mais mais j'avais tourné carrément dans ce garage là et ouais, on avait fait ça là et tout. Et ça, c'était quand j'ai un label indépendant, genre en mode c'est un mec qui avait créé un bail et genre ça avait bien pris et tout. Studio pro, cabine, tout carré. Du coup, ils m'ont produit pendant un an. Bon, ça n'a pas donné grand chose dans le sens où t'as vu, j'ai pas sorti grave des bails et tout, nanana, mais ça m'a apporté des trucs. Alors aujourd'hui, j'arrive à enregistrer tout seul, faire plein de choses, t'as capté, pour être en indé, tu vois. La question piège un peu là, le dernier son que t'as écouté, sans mentir, les tiens, ça compte. Le dernier son que j'ai écouté. Franchement, sans mentir, c'est quoi? C'était tout à l'heure, j'écoutais Fally Poupa original. Tu connais, on rappe à côté, t'as vu? Dembolo, c'est important, congolais, mon gars. Voilà. Vas-y, puis quoi? Est-ce que t'as un rappeur sous-côté aussi que t'aimerais bien booster, mettre la lumière sur lui? Un rappeur sous-côté? Selon toi, tu vois. Franchement, il y en a plein déjà, là, les petits rap. Tiro, il est pas là, mais t'as capté, c'est le pote, mon petit frère. Il y a lui, Adam, c'est rap. Il y a lui là, Neil aussi, rap. Et vas-y, hein, le groupe il s'élargit, on va dire petit à petit. Hein. C'est des bons petits. En tout cas, ces gens-là, là, ça arrive, voilà, sérieusement. Il y en a, ils ont sorti des clips là. Non, aucun. Je te dis, c'est vraiment tout frais, tout frais. Voilà, tout frais. Tu penses à venir, ça va. Ça va venir, ça va prendre, ouais. Voilà, il n'y a pas de raison. Faut juste. Voilà, t'as vu, on se dit tous entre nous, faut sortir les doigts du cul, frère. Il n'y a rien qui marche, mon vieux, voilà. Et puis aussi, je voulais savoir un peu tes rappeurs qui t'ont inspiré genre depuis le début et tout, ce qu'il y en a. Bon, après les gens ils les reconnaissent dans mes sons. Déjà il y a Déa, c'est la famille, il y a lui, Nino, qui d'autre, que mes inspirations. Ouais, ouais. Que Kra, j'écoute beaucoup. Morad, après genre j'écoute beaucoup de rap hollandais, t'as vu. Ah ouais, Dog Boy, les trucs comme ça et tout, moi j'aime bien. Asphalt, je sais pas comment il s'appelle, mais t'as capté, tu tapes ça sur Google, tu trouves. En ce moment en Hollande, comme tu dis, c'est la drill aussi qui marche bien. Ouais, la drill aussi, ça marche bien, même la drill UK, genre. Tchouai, ouais. I don't know là. Fond flèche, je m'appelle Extreme Z et tout là. Franchement, ce souci là est pas mal. Élargi, comme je t'ai dit, de tout, Italie, Angleterre, on écoute de tout pour pouvoir faire quelque chose de carré. C'est carré le ref. La dernière question que je dis tout le temps, celle-là, c'est quoi ton équipe de foot préférée? L'Olympique Lyonnais, mon gars. Ah, bah alors là, tu régales, tu régales, mon gars. Je suis la 96, tu connais, c'est typé année 2000 de folie. Ah, bien vu, voilà. Bien vu, mon gars. T'as des réseaux, on peut te suivre aussi? Ouais, bah, BKCCLN sur Instagram, Boko Siliegos sur Snap et Twitter, BKCCLN, hein, pareil.
C'est carré. Merci mon gars. Pas on est ensemble. Hein. Voilà, force, force, force. Appelle-moi Beka ou bien Boko Celi. Il me faut du Wari, le Wari à Biggie, pas le casier à Kelly. J'colle pas la petite, elle me fait les yeux doux. Cette brune au fossile, c'est un peu relou, donc j'suis pas trop gentil. J'aime prendre les commandes un peu comme Poutine. Quand les rares demandent, ça c'est ma routine. J'fais tout pour maman, c'est ce que j'me suis dit. Ils partent de la rue, ils ont pas idée. J'les aime plus, mon cœur est pas aimé. Fonce dans le tas comme Zemijin. Calcule pas, c'est pessimiste. Bon devant eux pour ça qu'ils nous salient. Pourtant quand ils me voient me passent le salam avec le visage sage à salat. J'pourrais leur faire du salat, c'est salope. Fait que ces rappeurs, ils sont particuliers. De nous voir reculer, donc j'varie par endroit. Mais que charbon, ouais ici c'est cramé. Va nous voir enfermés dans le cul de Marianne.